Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un peu spécial, on va aller voir la fontaine ardente. Donc la fontaine ardente, en gros, ça se trouve à peu près à une petite demi-heure de Grenoble, selon la route, on va dire, selon la circulation. Et on est sur la commune de Le Goy. Donc c'est après Vif, pour ceux qui peuvent connaître ou pas. Et voilà, donc en gros, je vous montrerai tout à l'heure parce qu'on va y aller. On va voir si elle est allumée ou faudra l'allumer. Mais en gros, c'est une petite balade sympa à faire. En gros, un parking juste devant, on a allez, un petit kilomètre, on a 900 mètres à faire pour y arriver. Donc là, voilà, je vous ai mis sur le panneau d'arrivée. Donc tout ça, je vous l'expliquerai un peu plus en détail, on va dire. Et là, donc, le premier panneau, Fontaine Ardente. Donc c'est un petit chemin de descente, donc du coup il va falloir que je le remonte tout à l'heure. Un peu escarpé, là il y a plu, il y a quoi, hier je crois bien, et du coup c'est un peu glissant, donc faut quand même faire un peu attention, pas descendre ça comme un gros bourrin, ce qui m'arrive souvent de faire, et du coup c'est vrai que je me vautre un peu, donc on va éviter que je me vautre là alors que je filme, c'est pas top. Mais voilà, en gros la fontaine ardente, elle a été découverte d'après ce que j'ai vu. Vers 350 après Jésus-Christ, en gros, et les habitants du coin pensaient que c'était le diable ou que c'était l'enfer. Enfin bon, voilà, à cette époque-là, dès que c'était un peu spécial et qu'on comprenait pas trop, c'était obligatoirement l'enfer ou un truc mauvais, on va dire. Alors, en fait, c'est juste une fuite de gaz naturelle et on peut la rallumer si elle s'éteint à cause de la pluie. On peut techniquement, ouais, la rallumer, puis là, ça glisse. Donc j'avais vu que c'était écrit que la fontaine ardente, elle se trouvait juste à côté d'une rivière. Donc là, clairement, on a la rivière. On n'est pas encore arrivé. Bon, il y avait marqué 10 minutes, je pense que la balade va être assez courte, hein. C'est plus pour l'aspect visuel de la fontaine. Et bah d'ailleurs, je crois que j'y arrive là. On va voir ça. Quoi ce passage? C'est pour pas courir au cas où il y a trop de foule. Bon, bah ça doit être là. C'est pas hyper bien indiqué. Alors là, à vrai dire, j'ai pas la moindre idée d'où est-ce qu'il faut aller. Je sais pas du tout. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Ok, donc en fait c'est juste moi qui suis teubé. Il fallait juste continuer tout droit. Enfin, il y avait un passage, on a l'impression que c'était bloqué, mais pas du tout. Et voilà, c'est moi qui suis complètement teubé. Ah, c'est vraiment sympa à voir. Bon, là, ça a été vraiment bien agencé, bien organisé, hein. C'est un truc du coin. Là, d'ailleurs, on peut voir des gens qui ont fait des petits feux, des petits tests à côté, mais voilà, c'est pas mal. Donc, j'ai pas besoin de l'allumer. Il y a plus hier, c'est encore là. Donc, soit ça a été rallumé entre temps, soit ça tient bien le coup. Mais c'est vraiment pas mal à voir. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Bon, après, je suis un peu pyromane, dans le fond, on va dire, mais je trouve ça cool. Le petit cadre est sympathique. Bon, on est en fin de journée, hein. Il fait beau quand même. Eh bien, on va y aller, du coup, on va rentrer. Moi, je vais repartir. Mais en gros, c'était sympa à voir. C'est un truc qui vaut le détour parce que je pense pas qu'il y en ait énormément même dans le monde. Je sais qu'il y en a un gros puits comme ça en Russie, si je dis pas de bêtises, qui doit faire le même style, mais en beaucoup beaucoup plus gros.
Mais non, non, c'est un truc sympa à voir. Alors après, peut-être que sur la vidéo, on voit qu'il y a des bouts de bois et tout. Non, c'est vraiment un truc qui est naturel et où le gaz s'échappe. Les gens, ils ont juste remis du bois parce que, voilà, ils ont voulu alimenter le feu un peu plus fort. Même moi, j'ai remis des petits bouts de bois parce que je sais pas, ça me faisait kiffer. Mais en gros, c'est vraiment sympa à voir. Donc là, on va repartir. Et voilà, en gros, pour faire un petit point, c'est super sympa à voir. C'est un super truc. C'est pas hyper compliqué, franchement. C'est surtout de la voiture. On arrive et allez, peut-être 5 à 8 minutes de descente, même pas. Bon, la montée, ce sera peut-être un peu plus long, mais c'est vraiment un truc super sympa à faire. Mais par contre, c'est vrai que dans la nuit, à l'époque, on pouvait comprendre que de loin, quand on marchait dans la forêt, parce que là, c'est aménagé, mais il y a très longtemps de ça, quand les gens l'ont découvert, ça peut faire bizarre, effectivement, de voir. Donc, si la poche de gaz avait été alimentée par je ne sais quelle raison, des flammes, donc des flammes dans la nuit, dans la forêt, sans comprendre pourquoi et d'où ça vient, ça pouvait faire un peu une sensation étrange, ouais. Donc, effectivement, comparé à ce que je disais tout à l'heure, qu'à l'époque, on disait beaucoup, c'était l'enfer et tout ça, là, ça peut se comprendre. Je voulais vraiment le faire parce qu'on m'en avait parlé et je me suis dit que c'est vraiment un truc quand même qu'il y a à voir, c'est pas anodin, ça doit être assez rare même, comme je disais tout à l'heure, et je trouvais que ça valait le détour. Donc bon, ça c'est fait, j'espère que cette vidéo vous intéressera et surtout on va voir pas mal de petits trucs plus tard. Je vais essayer de faire pas mal de choses dans le même style pour pouvoir permettre aux gens de voir qu'en fait il y a pas mal de choses à voir intéressantes, plus ou moins loin de chez eux, et qui peuvent être vraiment 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 sympas. Voilà. Bon bah merci à vous en tout cas.